Bienvenue dans le petit atelier de la tranchée militaire. Aujourd'hui, je vous montre comment poser un patch thermocollant. Car je vous rappelle qu'un patch, qu'on pourrait traduire de l'anglais par pièce de tissu, sert essentiellement à rapiécer un tissu ou, dans notre cas, à personnaliser une veste, un sac, etc. Il existe trois types de patch. Les thermocollants, c'est un tissu brodé, enduit d'une pellicule de colle qui réagit à la chaleur d'un fer à repasser. Les patchs à coudre, là, il faut savoir manier le fil et l'aiguille. Les patchs montés sur auto-agrippant, même combat, il faut fixer le velcro sur le tissu, donc couture obligatoire. Le patch thermocollant est donc le plus pratique et le plus rapide à utiliser. Que ce soit pour cacher un accroc sur une veste ou personnaliser un vêtement, on choisira cette technique. Les patchs collés tiennent assez bien au lavage. Et s'ils commencent à se décoller avec le temps, on peut toujours faire une retouche avec un morceau de colle à ourlet qu'on trouve en grande surface. Ça se vend généralement en rouleau. Mode d'emploi. Pour fixer son patch, il vous faut un patch, un fer à repasser et éventuellement du papier sulfurisé. Une table à repasser, voire une planche posée sur la table de la cuisine. Il faut que votre fer à repasser soit très chaud avant de l'appliquer sur le patch. Si c'est un fer vapeur, ça marche aussi, mais le mieux est de désactiver cette fonction. Si le tissu qui reçoit le patch est assez fin, ou si une seconde couche de tissu se trouve sous l'emplacement du patch, vous pouvez mettre du papier sulfurisé pour éviter que la colle pénètre en profondeur et colle les deux tissus. Une fois collé, laissez refroidir et vérifiez si les bords sont bien collés. Repassez un coup de fer si nécessaire. Votre veste ou votre sac est maintenant personnalisé et unique. Oui, mais si je veux retirer mon patch, c'est possible, mais il restera des traces de colle sur le tissu. Pour retirer le patch donc, il suffit de le chauffer avec un fer à repasser, puis de le décoller doucement en faisant attention de ne pas se brûler. La colle fondue restera dans les fibres du tissu et le patch ne pourra plus être thermocollé, mais pourra toujours être recousu. Cette technique est surtout utile pour remplacer un patch par un autre de même taille ou plus grand. Voilà, vous savez fixer un patch thermocollant, vous n'avez plus qu'à choisir sur notre site ceux qui vous plaisent parmi plus de 100 références. Démarquez-vous et personnalisez vos vestes, vos sacs, vos casquettes, vos musettes, vos pantalons. Cet atelier est fini. S'il vous a plu, cliquez sur le pouce, pensez à vous abonner et laissez-nous un commentaire, ou mieux, envoyez-nous vos réalisations sur les réseaux sociaux. Et surtout, mangez gras.